like you ever felt. Are you listening? Damn. Coucou les filles, bah écoutez, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tag que vous pourrez reprendre aussi chez vous, les youtubeuses qui passaient par là. C'est un tag qu'on a inventé, enfin que j'ai eu, dont j'ai eu l'idée quand je suis allée chez Kiko à Châlons-en-Champagne, parce que je parlais avec ma vendeuse préférée, Amandine, et en fait on parlait d'highlighter. Et en gros, je lui ai raconté que je suis allée dans un OCB et la fille, elle m'a dit « Oh, mais dans les nouveautés, on aura un highlighter ». Je lui ai dit « Un quoi ?»« Ah non, un contouring, je sais pas quoi ». En fait, elle m'a baragouiné un nom, en fait, pour me parler d'une nouvelle collection de contouring, en fait. Parce que tout le monde parle de contouring, donc ils ont lancé une gamme pour le contouring. Et je lui ai dit « T'imagines la meuf, elle y connaît rien, elle me dit contouring ou je sais pas quoi, sans savoir de quoi elle parle. Mais si on faisait un maquillage complètement inversé ? » Donc en fait, ça va être un tag contouring inversé. Donc en gros, on va... Alors ça va être compliqué, hein, parce que je vais mettre de l'highlighter doré là où on est censé... Donc là, en fait, mon contouring est déjà fait. Là où on est censé foncer, et je vais mettre mon bronzer... Là où on est censé mettre de la lumière. Donc je pense que ça va être hyper drôle. Donc bah écoutez, je vous propose de commencer tout de suite. Et puis surtout, n'hésitez pas à me commenter pour plus de rigolade, parce que je pense que là, on va bien rigoler. Alors, je me tourne un peu parce que j'ai mon miroir qui est juste là. Donc là, on va mettre en fait... Oh putain, ça commence bien. Ici, où je mets toujours mon contouring... Déjà, le truc, il supporte pas très très bien. J'ai choisi un doré en même temps. Donc ici, j'highlight. Du coup, ici, j'highlight. Oh vache, ça fait beaucoup d'highlighter en fait. Voilà, ici. J'en mets où d'habitude? Ici, sur les coins du nez. Et en fait, c'est là que tu te rends compte qu'en fait, t'en mets partout ou quasi quoi. Ici. Voilà. Donc ben là, ce que je vais faire, c'est quand même, on va estomper, hein. Oh la vache. Voilà. Donc là, j'ai choisi quand même un highlighter crème. Pour que je pense que ça se... N'hésitez pas à me commenter, parce que moi, quand je me regarde, franchement, je rigole. Mais bon, après, c'est tout. Oh la vache. Ah oui, quand même. En fait, t'es boule à facettes. Alors là, c'est même plus du strobing. Hein. C'est plus du strobing du tout. Hein. C'est vraiment... Voilà. En fait, t'en fous partout, quoi, quasi. N'hésitez pas à me dire. Hein. Oh là là, c'est moche. Je comprends pourquoi... L'highlighter se met pas dans les coins. Oh là 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 là, quelle horreur. Bon là, je vais quand même l'étaler parce que j'en ai mis trop en fait. Et vu que l'highlighter, c'est pas du tout fait pour être mis à forte dose. Oh là 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 là. Oh là 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 là, j'en ai partout les mains et tout, c'est horrible. Bon, c'est tout, je remballe le doré quand même. Vous vous rendez compte? Si je sortais comme ça. Bon encore là, oh là 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 là. Mais alors là, ce qui va être plus drôle, c'est le bronzer en tant qu'highlighter. Alors bouge pas. Déjà moi, en général, j'highlight ici là, dans le coin externe. Oh mon dieu, quelle horreur. Tu sais là, oh là là. Oh putain, c'est moche. Alors là, on va foncer là où c'est censé... Voilà quoi. Là, on a normalement de la lumière. Hein. Donc bon. Oh là là, quelle... Oh là là, quelle idée de con j'ai eue. Oh mon dieu, quelle horreur. Alors ensuite, sur le nez ici. Oh là... Ha 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 ha
Attends. Allô? C'est pas beau. Oh la vache! Là, je mets de l'highlighter aussi. Oh, quelle horreur! Alors oui, là, ça fait beaucoup moins joli comme ça. Alors là, il n'y a pas de souci. Et puis, bah, comme on en met là, hein, bah, on en met là, hein. Normalement, je mets de l'highlighter là. Hein. Hop. Voilà, quoi. Mon Dieu. Puis, si tu pousses le vis, normalement, je mets de l'highlighter dedans, le coin interne. Et voilà. Tout ce qu'il ne faut pas faire en maquillage, le voilà. Ah, mais faut que je fasse un blender de ça, là. C'est pas possible. Attends, parce que j'ai oublié, là. Mais ici, là, normalement, c'est clair. Là, faut le foncer, là. Tu vois? Ça fait un... Normalement, tu fais un triangle clair, là. Bah, ça. Faire un triangle foncé. Donc, voilà. En gros, ça donne ça. C'est vraiment pas beau. Donc, voilà, en gros, pour ce superbe challenge de fou. Alors, attendez, parce que je vais quand même essayer de blender tout ça quand même. Parce que bon, c'est pas le tout, mais. Est-ce que ça peut s'estomper tout ça là et puis faire quelque chose de joli? Quand même. Donc voilà ce que ça donne. Bon, ça fait pas beau du tout. On est bien d'accord. Le contouring inversé, c'est pas possible, hein. Mais bon, fallait au moins tester. Voilà quoi. Donc ben, n'hésitez pas hein, à faire ce tag, il n'y a pas de souci, j'en serais ravie. C'est vraiment parce qu'on a une idée à la con avec Amandine, du coup voilà. Alors bon, voilà quoi, ça fait vraiment... c'est moche. Oh putain, j'en ai plein là sur le côté. Oh là 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 là. Donc voilà. Ben, écoutez, voilà, ce tag est terminé. Ça n'a pas pris longtemps, hein, 2 minutes pour bien se marrer, mais voilà. Donc j'espère que ce tag vous aura plu, puis que vous le referez vous de votre côté, quoi. Par contre, essayez de me mentionner si vous le faites. Ce serait sympa et on se marrera bien. Donc voilà. Et puis n'hésitez pas aussi, si vous publiez sur Facebook, Instagram, tout ça, et sur YouTube, comment dire, à me taguer pour que j'aille voir les vidéos. Donnez-moi les liens de vos vidéos parce que franchement, on risque de rigoler. Donc là, mon highlighter et là, mon bronzer. Et voilà ce que ça donne au final. J'ai pris un coup de soleil. Voilà. Bah, écoutez les filles, j'espère que ça, vraiment que ça vous aura plu. Autant qu'à moi de le faire. Je vous fais d'énormes bisous. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Have you ever felt? Are you listening? Damn.